C'est que Gina Gauguin est comme Simona Manard, toujours au plus haut niveau. Hein. Absolument. Pas de relâchement. Ouais. Voici l'un des grands espoirs de la gymnastique française, maintenant à la poutre, Magali Rufato. Magali Rufato, qui a fait son entrée très remarquée dans l'équipe de France féminine. Beaucoup d'expressions corporelles. Un salto arrière, pied décalé, flip, ça série vers l'arrière. Pivot. Plus de quart de tour bloqué à l'équilibre. C'est oui. Beau. Belle maîtrise. Allez, attention à la sortie. C'est là que se présente salto avant. Oui. Oh là là. Un gros déséquilibre qu'elle n'a pas pu rattraper, malheureusement. Ah, la poutre, c'est terrible, la poutre. Vers l'avant. Dommage, elle était presque à la fin de son exercice. Ah oui, ah oui. Et double voyer demi. Quel dommage. Et dire que parfois une médaille se joue juste à la dernière seconde ou dans les 10 dernières secondes d'un mouvement. Avec un déséquilibre qu'on n'arrive pas véritablement à maîtriser. Ah, ce salto était bien beau, bien haut, et la réception est vraiment juste.